C'est la 10e mobilisation dans la période estivale. Donc 8 semaines, plus le premier jour de rassemblement. On ne va rien lâcher, et ce soir, ce qui est important, c'est qu'on s'organise pour durer. Car le combat, il va être long, et c'est notre détermination qui va les faire plier, et qui va les amener à faire venir des médecins assisteront pour réouvrir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, donc c'est de mobiliser encore plus largement. On est plus de 200 ce soir, jour de rentrée scolaire, et il faut qu'on réfléchisse le plus rapidement possible à encore élargir la mobilisation. On a eu des nouvelles têtes à tous les rassemblements, donc il faut que dès demain, on puisse distribuer massivement des tracts sur Sisteron, sur les communes aux alentours, pour aller rencontrer la population et être encore plus nombreux lundi prochain, suite aux décisions qu'on prendra ce soir. Rassemblement, manifestation, sitting, toutes les idées sont bonnes et le lieu aujourd'hui, enfin le moment, c'est d'en débattre pour décider tous ensemble de ce qu'on veut faire. Je dirais juste une chose. Le 1er juillet, il y en a qui ont pris des engagements et qui nous ont annoncé une fermeture périodique des urgences pendant la période estivale. Aujourd'hui, on est le 2 septembre. Si on va à l'hôpital, les urgences, elles sont encore fermées. Donc les engagements qui ont été pris le 1er juillet pour calmer la population, ils ne sont pas tenus. Et c'est bien ce qu'on a dit dès le départ, la fermeture temporaire, s'il n'y a pas de mobilisation, elle deviendra définitive. Et nous aujourd'hui, ce qu'on va gagner, c'est la réouverture tous ensemble. Alors ce qu'on propose au niveau de la CGT, c'est de se réunir dès demain avec les collectifs qui souhaitent participer, les Gilets jaunes, faire un tract des organisations syndicales, faire un tract avec un maximum de logos et aller rencontrer la population et dire que la mobilisation de ce soir, c'est pas la mobilisation de la CGT, c'est une mobilisation citoyenne, que tout le monde peut y venir et que c'est en étant nombreux qu'on gagnera. Merci. Ouais.